Eh bien bonjour à tous et bienvenue, je suis Link le Geek pour vous servir et je suis bien évidemment accompagné de ma Lily. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que toi aussi. Bah oui, comme toujours. Toujours. Et toi? Bah c'est parfait, bah suis-moi toujours. Quelle question. Eh bien en tout cas on est reparti pour du Hyrule Warriors épisode 11. Cette synchro. Et la dernière fois nous avions terminé la boucle sur les trois périodes... Les grandes périodes Zelda. Et débloquer Zelda. Mais cette fois-ci, on va partir à la recherche de l'épée divine. Eh ben avec Link. Et pour le coup, on va partir avec l'épée à une main et l'épée blanche que nous avions débloquée à l'épisode précédent. Pardonnez-moi de ne vous avoir rien dit. Mais pour tromper l'ennemi, je devais garder mon identité secrète. C'est Ninja. Link, tu as été exceptionnel. Merci. Dès que je t'ai vu, j'ai ressenti quelque chose de spécial en toi. Moi, c'est mignon. C'est parce que t'as une grosse épée. Bah bravo. J'ai juste dit l'épée. Ouais. Maintenant que les portes des âmes sont fermées et l'espace-temps semble un peu plus stable. À présent... Dis donc, tu n'as pas quelque chose à nous dire avant? Non. Si, je vous ai dit que j'étais une sorcière du même clan que Sia, mais ce n'est pas tout à fait... Sia et moi n'étions à l'origine qu'une seule et même personne. Oh, une seule? Quelqu'un a chassé le bien du cœur de Sia pour pouvoir la manipuler. Je suis cette moitié qui a été chassée. Et celui qui m'a chassée... Moi je sais qui c'est. Enfin, je suis sûr que je sais qui c'est. Ah ouais? Tu ne mets plus d'aucune utilité. Qui est là? Je la préfère dans cette tenue, elle. Il suffit, j'ai déjà récupéré 3 fragments de mon âme. Même si elle n'est pas complète, je peux déjà me matérialiser. Et je suis Ganondorf. Moi, je m'en doutais. Sia, tu as bien travaillé pour moi jusqu'à présent. Comment? Insinuerais-tu que tu me manipulais? Non. Peu importe, tout cela est terminé. Je vais briser la dernière barrière moi-même. Mais ce corps manque de puissance. La force toute puissante créée par les dieux. Avec elle, je pourrais briser la dernière barrière et conquérir ce monde. La Triforce. Elle est à moi. Ou pas. Ah oui, d'ailleurs, j'avais adoré jouer avec elle aussi. Misérable. Les triforces du courage et de la sagesse se sont envolées au loin. C'est vrai que c'était sympa. Ouais. Très fluide et tout, la personne se déplace. La triforce tout entière sera à moi. Ainsi que le héros. Par contre, si dans un des DLC ou même on débloque la tenue là, moi je veux bien. Hein. Disons, ce serait Sia sans casque en fait. Bah ouais, on voit son visage, j'aime bien. Maintenant que les portes des âmes étaient fermées avant... dans toutes les airs, Link et ses compagnons s'étaient retrouvés. Shake s'était révélé être Zelda, dissipant ainsi toute inquiétude à son sujet. Pendant ce temps, Ganondorf avait récupéré 3 de ses 4 fragments d'âme. Il décida de quitter le corps de Sia, qui ne lui était plus d'aucune utilité. Libéré de l'emprise de Ganondorf, mais tragiquement corrompu, Sia était plus résolu que jamais à faire sien Link et la Triforce. Son armée renforcée par de puissants rituels redoubla ses attaques sur Hyrule. Mais tout n'était pas perdu. Zelda conduisit son armée vers le temple de l'épée sacrée à la recherche de la seule chose qui pourrait tous les sauver. Bon, et ben c'est parti! Le méchant est enfin révélé. Vous avez récupéré vos parties de la Triforce? Oui, elles sont en Link et en moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Sia doit être affaiblie. Si nous voulons contre-attaquer, c'est le moment ou jamais. Sia possède toujours la Triforce de la Force. Ce ne sera pas si facile.
Mais nous pouvons gagner si nous avons l'épée de légende. Link a hérité du destin du héros, il devrait pouvoir retirer l'épée de légende de son socle. Mais l'épée de légende est un talisman, elle maintient la barrière qui scelle le mal. Si on la retire, l'âme maléfique qui a jadis été scellée ne s'éveillera-t-elle pas ? La barrière dressée dans le temple de l'épée sacrée a été créée à l'aide d'une magie spéciale. Même si l'on retire l'épée de légende, elle ne se brisera pas si facilement. Et ça nous arrange bien. Mais qui nous dit que Link aura la force de retirer l'épée de légende ? J'ai foi en Link. Merci. Mais... Oui, moi aussi. C'est peut-être une bonne occasion de voir si Link est un véritable héros. Bien, en route pour le temple de l'épée sacrée. Comment tu prends plein de compliments? J'avoue. J'aime beaucoup le fourreau. Et regardez, il n'y a que des ruines. Est-ce que l'épée de légende se trouve vraiment ici? On dirait bien. L'épée de légende est par ici. Unissons nos forces pour nous en emparer. Ça a l'air bien ici. Cependant, on dit qu'il faut d'abord réveiller les trois statues du sceau qui se trouvent sur cette terre. J'adore cette épée. Les statues du sceau, où est-ce qu'elles peuvent bien être? Lana recherche une statue. J'aime beaucoup le bouclier et même l'épée, ils sont vraiment classe. Bien. C'est bleu. Ouais, c'est bleu brillant et tout. Laurie, c'est pour toi. Bon, j'imagine qu'on va suivre Lana. Non. Pour réveiller les statues du sceau, nous aurons besoin de vos forces à vous trois. Ben moi, je suis là. Je suis déjà un. Nos forces. Ok, donc on doit perdre ni Impa, ni Daronia, ni Midodin. Oh, il y a du monde sur le gamepad, effectivement. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais, Lana? Comment tu la pousses? Bon. On va visiter un peu. Ouh. Si les portes ne s'ouvrent pas, on ne pourra pas entrer. Attends, j'ai la clé. Oh, salut. C'est stylé, n'empêche. Vous qui apportez le désordre dans ce temple, vous serez punis. Ce sont les gardiens de l'épée sacrée, faites attention. Ce ne sont pas des ennemis ordinaires, soyez sur vos gardes. Mais c'est des fantômes, quoi. J'aime bien la musique qui va avec cette quête, justement. J'avoue, ouais, elle va bien. Hop, je vais faire le chef de poste. Tant qu'à y être. Je vais chercher par ici. Va donc, fais ta vie. Fais ce qu'il te plaît. Eh, mais vous revenez toujours, les mecs, en plus! On dit que les statues se trouvent au nord, au sud et à la périphérie de la ville. Périphérie. Vers l'ouest. Il y a une invocation. Pourquoi tu serais le seul à bafouiller d'abord? C'est probablement... Tiens, tu te moques. Probablement une statue du sceau. Il me passe la statue des serviteurs. Approche-toi d'elle pour la réveiller. Elle est partie où, Impa, en fait? Je la vois même pas sur la carte. Ok, elle est là. On dirait que je dois rester ici jusqu'à ce que la statue soit complètement réveillée, d'accord. Ça va être un truc où je vais devoir les protéger. Je vais aller buter, ouais, voilà, l'invocateur qui est monté sur la map en bas. Évidemment. Il semblerait que vous ayez trouvé une statue du sceau. Tout à fait. Je vais d'abord aller buter l'invocateur. Les renforts encerclent pas.
Midona, c'est la statue du crépuscule. Avec ton pouvoir des ombres, elle devrait se réveiller. Ok, donc Midona avance vers la statue. Tu... J'aurais peut-être pas dû y aller de suite, en fait. Peut-être. Darunia, c'est la statue du feu et de l'eau. Avec ton pouvoir de feu, tu devrais pouvoir la réveiller. Et l'eau? Bah non. Je vais essayer. Ouais, moi j'aurais dit Ruto. Ouais, mais bon, vu qu'elle est pas là. Hein. Bah c'est pour ça que c'est là. Vu qu'elle utilise la magie d'eau aussi. C'est vrai. Encore deux. Protéger nos camarades jusqu'à ce que toutes les statues soient réveillées. Oui, chef, bien chef. L'invocateur est apparu sur Midona. Ah, ils sont vraiment casse-pieds. Hey, j'ai besoin d'un coup de main. J'arrive. Tu vois, je savais que j'allais là. Dulia. On va choper le chef de poste. Je vais enfin pouvoir avancer. Un petit cœur, même si pour le coup il m'est pas vraiment utile. Pour des cœurs. C'est quand je vais en avoir besoin que j'en trouverai plus. Par contre, du coup, je peux passer, oui. Oui, si je peux passer par là. Voilà, c'est toi que je veux. Alors, qu'est-ce que ça fait de rejouer avec Link? Ça fait plaisir. Ouh, ce monde tout ça pour moi. Ouais, ça fait bien plaisir, ouais. Elle est sympa, cette épée, j'aime bien. Ouais, et en plus, elle est vraiment jolie. Ah. Darunia, il est où? Il me bloque le passage, je ne peux pas avancer. Vous pourriez venir m'aider? J'aimerais bien. Il est déjà là ou... Bon. Ah, mais... Midona a activé la statue. Oh bah t'as mon cata. On dirait que ça a marché, je vais rester ici en attendant la suite des événements. Il est là. Salut! Ben voilà! Midona, ne doit pas s'enfuir! Je me laisse manquer garder, non? Plus qu'une, on y est presque, continue à protéger nos compagnons! J'y travaille! On va prendre le fort. Ok, je vais pouvoir avancer! T'as intérêt à avancer, ouais. T'es payé pour ça. Ah bon, il est payé? Non, mais lui, il le croit, donc voilà. Et on est aux 500 kills. Enfin, 525, du coup. Super, moi aussi, il faut que je fasse de mon mieux. Non, parce que je te vole tes kills. Oh. Comment t'es méchant avec la main, ouais. Ouais. Bon, t'avances ou tu fais rien? Il fait rien. Moi, j'ai bien l'impression. Bon, oui, non, c'est qu'un mec. Tu peux avancer quand même. Ah bah quand même. Pas trop tôt. Je connais là. Ça va prendre un peu de temps, je crois. Je vais rester ici un petit moment. Boom.
J'adore le super grappin. J'avoue, c'est vraiment pas mal. Du coup, si je le fais dans le vide, est-ce que j'attends quand même la lune? Les portes du temple devraient s'ouvrir. La statue n'est pas complètement réveillée, il va falloir attendre encore un peu avant de pouvoir rentrer dans le temple. Évidemment. Il y a aussi des gardiens de l'épée sacrée à l'intérieur. Oui, et alors? Je sais pas. Il y a quelque chose qui cloche. Se pourrait-il que quelqu'un manipule les gardiens? Quelqu'un les manipule? Mais comment savoir où se trouve cette personne? Tape dans le tas. Hello, c'est moi. Tu fais plus baboum. Oh, allez, un petit tas de gardiens. Baboum. Massacrez-les. Commence à rire comme Macharon, ça va pas ça. Ouais non, elle traîne trop avec elle. Un peu. Du coup, il y a des invocateurs qui sont apparus derrière, je les avais pas vus. Ils apparaissent à l'intérieur du temple, je m'en fous, je peux pas encore y aller. Mais là, c'est toute la technique pour réussir à se gratter le nez sans faire un coup d'épée. Ensuite, il y a vraiment du people là, c'est même plus du monde à ce niveau-là. En fait, c'est bien, s'il faut de l'argent, faut venir sur cette map. C'est ça. J'avoue que là, ouais, t'es plutôt pas mal niveau argent. Pour peu qu'en plus tu butes les. Enfin tu tapes les pots qui. Les petits pots marrons là. Si t'as de la chance. Voilà. Et même je crois que je vais venir faire un petit tour ici pour l'XP moi. Bah ouais, t'en peux faire. Il y a du monde, ça tombe bien. Bon. Le chef de poste, tant qu'on y est. Voilà. Ensuite. Bon, Impa. Je vais te mettre un coup de main parce que là, ça va pas aller, hein. Voilà. Je crois que là, c'est pas mal. Il m'a dit pognon. Je vais buter l'invocateur qui est à ma droite. Je ressens une présence maléfique toute proche. Un méchant. Et on level up. Moi aussi je la sens. Si ça se trouve, un monstre se cache parmi nos camarades. Oh. Trouver l'ami infiltré dans le grand. Ok, tape-toi toutes les bases que t'as déjà capturées. Du lien. Voilà. Un grappin. Boom. Des ennemis, c'est bien le moment. La statue n'est pas encore réveillée. Bon, du coup, on va vite fait aller voir chez Impa s'il y a des soucis. Non, il n'y a pas de soucis par là. Non, tout va bien. Ouais, c'est la fête. Ensuite. Ce n'est pas suffisant. Attaquez-les plus violemment. Ah, je fais ce que je peux, hein. Tiens, Lana a vraiment l'air bizarre. Oh. Hein? Il y a une autre, moi? What the fuck? Lana, au pied. On dirait qu'il y a une fosse, Lana. Faites attention. Mais elle est où? Ah d'accord, allez, en plein milieu. Faut que je retourne en arrière. Demi-tour. Puis de la musique en même temps pendant qu'on court. Hein. Merci. Lana. Oh, c'est une Lana point d'interrogation. Vous m'agacez, en garde. Tiens, crains mon
mon grappin. Mais j'avais plus le mot. Ce n'est pas Lana, Link, débarrasse-nous-en. J'y travaille. Hein. Non, pas là. Julia. J'avoue que celle-là est habillée en noir. C'est en gris et noir. Ouais. Je fais un peu plus fort. Ouais. Meurs. Vil imposteur. Meurs. Évidemment, il n'est pas aisé de vous berner, mais je compte pas abandonner. Ça doit être Isero, j'imagine. Bon, on nous fait une petite danse et tout avant de partir. Ok. Que nous est-il arrivé? Pendant que je vais déraciner. Ah, Midona est en danger. Ouais, aidez. Hey, que quelqu'un vienne m'aider. J'arrive. Je sens que mes forces se concentrent dans la statue. Je crois qu'elle va bientôt se réveiller. Ah oui, c'était vraiment bientôt là. Hein. J'avoue. D'habitude, quand on te dit bientôt, c'est un peu plus long quand même. J'avoue. Bon, ça, c'est fait. Pour toi, tu meurs. Voilà. Comment t'as mis ? C'était minable, d'ailleurs, comment il est mort. Les portes du temple se sont ouvertes. Enfin, le maître de l'épée, blablabla. Pardonnez-nous notre impolitesse, maître. J'ai du mal, là. Nous sommes à votre service. Je vais récupérer la vie, tant qu'on y est. Je crois que je suis un peu en difficulté. Menteuse, t'es là ! Votre Altesse, pardonnez-moi, j'ai envoyé toutes mes forces dans la statue, je ne peux plus bouger. Après tout ce travail, je suis fatigué. Je vous laisse vous occuper du reste. C'est quoi le truc là ? Les bombes. Mais j'aime bien quand même. Ah, du coup, elles sont parties. Ouais. Les conditions de défaite ont changé. J'adore quoi, je suis en difficulté, mais elle est là et... Il a fait rien. Il nous faut maintenant terminer cette mission avec nos troupes restantes. Dirigeons-nous vers le socle de l'épée sacrée. Ah ah ! Cette fois, c'est des vrais monstres. Éliminons-les. Ah ! Et allons chercher l'épée sacrée. Ça me rassure, je suis pas le seul. Tu m'as contaminé. C'est ça. Nous arriverons à sauver le monde. Les plus grands guerriers d'Hyrule y travaillent. Ouais, bon, j'y travaille, quoi. Oh, mais le mec, quoi. Bah, c'est vrai. Bon, allez, ça fait longtemps. Un peu. Comment je t'ai raté? Classe. J'aime beaucoup. T'as pris une matière ? Ouais, j'ai récupéré, ouais, je crois. Je vais vérifier, mais il me semble que oui. Oh. On va avoir un plongeon de... On va appeler ça le plongeon de coffre. Ouais, je l'ai récupéré. Ok. Alors, qu'avons-nous ici ? Une arme scellée. J'apprends. C'est plus une surprise à force. Non. Alors, je sais pas, c'est pour être traité un quart de cœur ou... Ouais, mais bon, souvent c'est soit ça, soit une arme scellée. Même. Ouais. Ou juste au cas où, je vais aller capturer la zone qui est là-bas. On sait jamais. Si on peut récupérer un petit peu de matos. Aïeux. Raté. Ah ah, touché. Mi.
comment je l'ai esquivé pendant ma roulade. Allez, bouf. 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 Voilà. Bouf. Bouf. Voilà. La facilité. J'avoue. Complètement. Du pognon, ça se prend. Je vais récupérer ça et ça. Hop, on va aller buter le Gibdo. Aïe. Comment je les aime pas. Ils sont bien chiants. Ils ont toujours été chiants. Même dans leur Zelda d'origine. Allez. Donc ceux-là, ils sont un peu moins résistants que ceux qu'on a pu voir précédemment, j'ai l'impression. On a pas le développement. C'est vrai. Le niveau doit jouer aussi. En même temps, j'ai une épée qui fait des dégâts sacrés et c'est des zombies. Donc, ça doit y jouer. Le gardien de la porte, pas de suite. Ah bah le Gibdo est venu, donc... Donc si, bah allez. Voilà. Non mais... Bon, c'est pas mal entamé ça. Cette posture. J'ai pour la classe. C'est moi où j'ai évité une attaque de feu. Allez, vilain lézard. Et on les level up. Ouais, je suis vraiment venu ici pour pêcher les persos en fait. Ouais, parce que du coup là j'ai passé deux niveaux dans la mission, j'avais même pas fait gaffe. Mmh. Tu tombes. Merci. Merci pour le faire monter en rubis, je sais faire rien. Hein. Pendant ces deux centres d'entraînement. Ouais. Faut dire, il y a quoi faire ici en rubis. Hein. C'est clair. Je fais d'une pierre deux coups en allant ici en fait. Ouais. Voilà, toi t'es fini. Là j'aime vraiment ce bouclier. Moi j'aime pas mal aussi. Ah ben, l'épée sacrée. La photo de ta présentation. C'est faux, toute ressemblance n'est que fortuite. Ce ne serait que du pur hasard. Super, moi aussi il faut que je fasse de mon mieux. Un jour je t'apprendrai, Lana. Allez Arthur, retire l'épée. Pardon Link. Te voilà, sale mordi. Tu ne peux rien contre moi. Impossible. Si, si, c'est possible. Je disais, tu ne peux rien contre moi. J'ai mon sabre laser avec moi. Bon, c'est nul, elle brille plus en jaune. Pourquoi je suis déçu? Ne me sous-estime pas, gamin. Je ne te laisserai pas l'épée de légende. Nous ne laissons pas l'épée de légende tomber entre les griffes du mal. Il faut vaincre ce mage. Magie! Bon, bah, magie max. C'était l'idée de vaincre. T'as déjà entamé bien. J'avoue. Ouais, super. Ça, c'est la puissance de l'épée de légende. Oui, la puissance dans le vide, là. Oh, il a quitté le terrain, il a eu peur. Bon, ben. On dirait que je ne peux pas déployer mes forces dans ce lieu sacré. Changeons d'endroit. Ah, il s'enfuit, c'est déloyal. Mon, c'est un méchant vilain. Oh, faut qu'on y aille à l'opposé. Non, je ne m'ennuie, je ne m'enfuis pas. Je ne fais qu'appeler un peu de renfort. Faible. Si nous l'affrontons ici, nous serons désavantagés. Entrons dans le temple et attendons-le. Non,
Faut me faire chier. J'en ai marre. Je vais t'obliger. Ouais, faut quand même que j'aille chercher Zelda. Salut! C'est moi! Ah, je pensais toucher le chef de poste. Ah bah, je l'ai touché. Le Gibdo, c'est réglé. Zelda! Elle a avancé? Oui. Ah, elle est où? Ah, ça, c'est Lana. Ah ok, elle est un petit peu en avant encore. J'en profite, hein, je fais mes courses. Une arme. Ah, on va reprendre de la magie aussi. Un cinquième, on va pas aller loin. Zelda. Zelda, 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 elle est là. Bah je veux bien, mais éliminer Isero, je veux bien, franchement. Hein. Je dis pas non, hein, mais ils ont pas vraiment l'air de bouger, quoi. Sinon ça va toi? Ouais, toi? Ouais, super. Bon, j'ai compris. T'es trop en avance sur le jeu. J'ai compris. On va taper du mode, hein, en attendant. Ah, craignez mon bon monde. Ah, j'ai plus de temps. Oh, cette posture. Bon, bon, bon. C'est bien joli de taper du mode, mais bon, je crois que je vais y aller directement parce que... Mon lance-lune. Isero, j'ai une lune pour toi. Vous ne m'échapperez pas. Et c'est maintenant que t'avances. Boom. Gros point sur Isero d'abord. Zelda ne doit pas s'enfuir. Oh bah c'est bon, elle a de la vie encore. Elle est full vie. Qu'est-ce que vous faites dans le jeu? Ça fait mal. Hein. Ah! Celui-là aussi je prends. Il a un rayon de la mort avec lui. Je m'en fous, je me protège. Prendre la magie, mon panier. Aïe, aïe. Raté. Allez, bouffe. Ah dommage, je pensais avoir tué les deux en même temps. Ça aurait été cool. Raté. Haha. Facile. Genre ouais, vous allez être désavantagé, tout ça. Ah, misérable. Si vous voulez vaincre Sia, rendez-vous au palais de l'esprit, mais ce sera votre tombe. L'épée de légende est extraordinaire, avec elle on ne peut pas perdre, c'est sûr. Ok, classe. Donc t'as pas le droit à la défaite. Viens en route pour le palais de l'esprit, nous devons vaincre Sia à l'aide de l'épée de légende. C'est parti! Un bouclier ilien complètement classe, le fourreau de l'épée de légende qui est complètement stylé, et l'épée elle-même qui est géniale.
Ça, ça mérite une capture d'écran, ça. Bon, bah voilà. Ah, en plus, sur l'image, on a l'épée de légende et tout. C'est la classe. Bref, 13 000 rubis pour avoir terminé. 707 pour les 25 minutes. Presque 26, d'ailleurs. 880 rubis pour les 1960 kills. Ce qui nous fait du 67 683. Pas mal, je venais ici, vraiment. Ouais, ça va, c'est sympa. Alors, une rapière pour Zelda. À 152 dégâts. Ça va. Voilà. On vient juste d'avoir Zelda. On n'a pas encore d'arme pour elle, mais on vient de choper un truc à 150. Hein. Pour Midona, ouais, bon, ça, une épée de chevalier, je m'en fous un peu maintenant. Hein, vu que j'ai l'épée de légende. Un anneau, une bague. Une épée de Gibdo. Une owl. J'ai volé la robe d'Icero. Maintenant, il est à poil. Des bandelettes de momie, du cuir et des haillons. Et on continuera tout seul avec Link la prochaine fois. Ah, du coup, maintenant dans les armes. Vite fait voir. D'accord, l'épée de légende est dans un truc à part. Mmh, ouais, apparemment, ouais. Mmh. Ouh. Moi, j'aime bien. Je comprends pourquoi elle faisait mal. Là, juste là, l'épée blanche était 150. À 150, ouais. Tu prends juste le double, en fait. Bah, ça va. On est bien, là. Bon, mais pour le coup, on va se quitter là sur l'obtention de cette magnifique épée de légende. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que ça t'a plu aussi. Comme toujours. Et pour le coup, nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt tout le monde. Mais d'ici là, n'oubliez pas que la fonction soit avec vous, les amis. Ciao, ciao.